What's up tout le monde, c'est Christophe Jeunier, surtout pour les Poké News à propos du jeu GTA V. Aujourd'hui, je vais donc vous parler en fait, c'est plutôt une grosse spéculation comme indique le titre. Attention, c'est pas du tout officiel, c'est pour ça que j'avais envie de vous y en parler, surtout d'interagir avec vous dans la barre des commentaires. Là, je vais vraiment regarder, ça va être intéressant de voir à peu près vos avis. Il y a eu une sorte de leak, alors je sais que ça a été beaucoup transmis dans la communauté anglophone, mais à laquelle, c'est vrai que, franchement, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est pas possible tout ça. Et j'avais envie aussi de vous le faire transmettre. Alors en fait, en gros, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une sorte de code HTML en fait qui a été donné et comme quoi qui indiquerait une sorte de présence d'un futur DLC à laquelle on aurait à peu près, on sera en fait sur une autre partie géographique, c'est-à-dire en fait. Je sais pas comment ça va marcher, si c'est vraiment le cas, mais à mon avis, non, il y a peut-être 10% de chances que ça se réalise. C'est en gros une sorte, un DLC, ils appellent ça sur l'espace. Ils appellent DLC Space. D'ailleurs, je vais vous montrer le script sur l'écran, donc qui indique une sorte de moon landing, donc en gros atterrissage sur la lune, ainsi qu'une sorte de rocket, fly rocket, qui est inscrit. Je crois que c'est à peu près tout qui a été indiqué. Après, c'est des PX, tout ça, on s'en fout complètement. Donc en gros, il y a eu ce petit truc à laquelle il y en a beaucoup qui se disent maintenant qu'il y aura un DLC, enfin un futur DLC dans l'espace, dans un truc comme ça, qui sera essentiellement présenté. Au passage, il y a eu des véhicules qui ont été cités et il sera essentiellement présenté dans le mode solo, c'est-à-dire que je pense pas qu'on devrait le retrouver dans le mode en ligne. Alors là, c'est des spéculations, c'est-à-dire que c'est pas une obligation, c'est même pas officiel, c'est juste, ça a été dit sur le web, ça peut être des fuites, ou même ça peut être complètement du fake, je peux être d'accord avec vous, mais à la fois, je me suis dit que l'idée était pas si mauvaise que ça. Par contre, à réaliser, c'est très compliqué, donc quelque part, ça nuance beaucoup en fait cette idée là et ça la donne en fait plus très potable, hein. Ça donne plus très envie de, je pense, de Rockstar de produire ce genre de choses, de développer, sachant que ça va leur prendre un coup monstrueux. Forcément, le DLC sera payant dans ce genre de cas-là. D'ailleurs, au passage, on attend ce fameux DLC Casino. Avant de commencer de parler de futurs grands DLC, c'est vrai que ce DLC Casino, il y a aussi un autre DLC avec trois grands fameux véhicules. Là, on voit des sortes de petites infos, apparemment dans le futur, de chez Rockstar, à laquelle on aura une sorte, je sais même pas comment ça pourrait être présenté. C'est compliqué. Cette idée-là me paraît trop compliquée. Pour moi, c'est pas possible. Je vois pas, même si c'est juste importé dans le mode solo, je les vois pas en fait importer juste ça. Interaction possible avec les graphismes, tout ça, la netteté, je vois pas. Pour moi, c'est trop compliqué. Et puis finalement, pourquoi faire, hein? Pourquoi on va aller sur la fin? Je sais que ça peut être super cool, mais on va se faire vite chier, alors que finalement, ça coûtait très cher à mon avis pour Rockstar de développer ce genre de choses. Donc, c'est pas rentable. Je pense que c'est pas rentable. Par contre, il y a des DLC là qui vont arriver très prochainement, qui risquent vraiment d'intéresser. Ce genre de choses, pour moi, malheureusement, c'est du fake. Enfin voilà, c'est vraiment pour dire des choses un peu impossibles et qui peuvent vraiment intéresser le public. C'est un peu le but de ces gens-là qui vont faire un peu ces fausses fuites. Mais voilà, pour moi, c'est vrai que là, on dépasse un peu les limites, malheureusement. Et puis, c'est vrai, à quoi ça servira finalement. Voilà. Merci à tous les gens. Surtout, en fait, c'est une petite vidéo bonus. De me dire ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires. Vous pouvez mettre un petit j'aime à la vidéo si ça vous fait plaisir, comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Surtout de me suivre sur ma page YouTube personnelle. Et puis je vous dis à demain, enfin pour une Poké News à propos de la technologie. Peut-être un truc what the fuck qui arrivera. Peace out.